Mon petit Cyril, c'est lundi, c'est la recette. Comment recycler nos épluchures, nos restes? Pelure de carottes, courgettes, aubergines et courgettes, c'est ça? Voilà, on va faire un tuto légumes. Et là, on va faire une recette, une tarte tatin spirale avec les épluchures. Donc la première étape, dans de l'eau bouillante, on va juste plonger nos légumes. Et on va les pré-cuire environ 5 minutes. Ok. On a blanchi nos pelures. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les superposer. Et puis on va les rouler. On va faire une vraie spirale. Ben voilà, tu vois, on a deux belles spirales. J'ai préparé une pâte brisée. Oh, au final, ce qui compte, c'est le beurre. Et le meilleur, c'est le gras. J'ai préparé un plat qui va au four, une feuille de papier sulfurisé, un petit peu de miel, quelques pignons. Dépose ta spirale dessus. On va découper notre pâte. Alors, à l'emporte-pièce, et on va recouvrir. Et tu vois, je recouvre dessus et je viens bien serrer ma pâte. Et je vais sceller les bords avec une fourchette. Magnifique! Ta-da! Et au four, 25 minutes, 180 degrés. C'est parti. Alors là, on a les petites tartelettes. Mais c'est pas fini, donc il y a de la feta congelée. Si elle était bonne, j'aurais du mal à la rater. Voilà, et ça va bien fondre sur la tartelette. Voilà, tadam! Tarte tatin en spirale d'épluchure. Trop bien, ouais, très facile. Merci Cyril. T'es hyper bon.